Donc ça c'est mon Casper, donc c'est son nom. C'est un combi de 79, un Westphalia. C'était, on va dire, un rêve d'enfance. Je voulais faire un petit road trip au Canada, aux États-Unis. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller là-bas, en acheter un et faire un petit road trip. Donc je l'ai acheté à Vancouver en décembre dernier. Je l'ai préparé et j'ai démarré à la mi-mars. J'ai fait toutes les rocheuses, descendu sur toute la côte ouest californienne. Et j'ai traversé les États-Unis, donc d'ouest en est. Donc voilà, c'est tous les endroits, enfin pas tous, mais les trois quarts des endroits où je suis passé. Ouais, Québec, Montréal, Ottawa, bien évidemment tous les parcs nationaux. On peut faire le tour et ils sont presque tous là. Monument de Vallée, Arche, Zion. Et il les a tous faits. Le lac Salé à Bonneville, pour les amateurs des vieilles voitures, ils connaissent. Mon plus beau souvenir, l'intégralité du voyage. Le 130 mythes, voilà, c'est, on a une bande de potes et on a commencé à 5-6 voitures à se réunir au cinquantenaire avec comme point commun que c'était un old-timer bien sympa avec un bon petit style, de belles petites jantes, et ça a commencé à se développer petit à petit. Aujourd'hui on se retrouve à une centaine de voitures, ce qui est un peu incroyable quand on voit l'ampleur que ça a pris en 2 ans. Les conditions pour participer à nos meetings sont simples: il faut avoir un véhicule old-timer, on entend par là donc plus de 25 ans, et de bon goût, qu'il soit vintage ou alors modifié, tant que les modifications restent d'époque. Si vous vous retrouvez à travers toutes ces conditions, vous êtes les bienvenus pour le prochain meeting. Alors, est-ce qu'il y aura un prochain event? Certainement oui. À mon avis, vu le succès que nous avons eu donc avec le 130 Midwinter, nous allons en refaire d'autres durant l'année prochaine. Nous pensons avec le groupe faire un événement qui se joue sur les saisons, donc il y a 4 saisons. À mon avis, le plus gros sera donc en été, vu le soleil et la chaleur. On l'attend vraiment avec impatience. Et nous sommes déjà très contents de ce 130 mythes que nous avons fait ici en hiver, car il s'est très bien déroulé.